Ça y C'est bon? est. Ouais, je suis. Bon, ça va alors. Attends, je vais t'expliquer pour rapprocher. Ça y Bonjour. Je vais t'expliquer pour faire du zoom. Et là, tu vois, ça avance. Et là, ça recule. Mais en fait, je peux Dépêche-toi. Là, monsieur jaune, là-bas. Il a des cannes spéciales, monsieur Noiré. Quelle saison spéciale, c'est quand même. Il a une canne de d'un poilu, je sais pas que c'est qu'on est offert. Va. C'est pas que je porte. Attends, viens. Oui, on te demande. Ah, tu veux dire, tu dis quelqu'un voilà. Le soir? Bonjour, monsieur. Il en a ramené des et ça y est, des bébés prisonniers, c'était gravé. C'est oui, c'est ça. Gabriel, Millette Gabriel, et il n'a pas eu le temps, il y en a un qui n'est pas fini. Ouais. Quand ils sont partis, mais il y a des obus. Il y en a un gros, et puis un autre dessus. Ouais. On ne te prend jamais, dis donc, tu veux que je te prenne? Allez, hey. Tombez. Tu veux que je te prenne? Laisse tomber. On vous remercie encore, et puis alors... À bientôt, ouais. Non, mais donnez-moi des nouvelles. Hein. D'accord. Non, blague à part. Je ne veux pas, je déteste les chiens. Ah, vous sont mes élèves qui viennent me solliciter. Non. Allez, à bientôt. Bon appétit. Non, je te rendrai le livre aussi, que tu m'as prêté. Tu l'as lu, non? Oui, j'ai regardé. Une fois, on s'est croisé à Montréal et j'avais ma voiture garée juste devant la sienne. Ah bon? Et on a parlé un petit peu. Tu restes là, toi, hein? Ouais, je vais aller casser la croûte. Là. Je vais aller casser la croûte, hein, j'aime mon goûter. Ah bon. Un, trois. À moi aussi. À moi. Ah bah t'es tombé juste au moment où j'ai tiré. Patrick! Salut, je reviens, va chercher. Salut Jean-Marc! T'appelles comment ça s'appelle? Une bonne journée, c'est bien. C'est fait plus. Ah bah pour toi, hein, parce que. Un, deux, quatre, ouais.
Ouais. Mais c'est trop sérieux, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est sympa, quoi. On a bien communiqué avec celui qui habitait à Londres. Ils ne comprennent pas la différence. Ils ne comprennent pas. Moi, j'ai Samuel. Mais vraiment. Il y a trop de informations. Je veux dire qu'au fond, c'est comme ils ont à l'arrivée, ils ont fait ça pour montrer qu'ils existent. D'accord, c'est pas bien de tuer du charbon. C'est quoi cette pierre? C'est la calcite. Je sais rien. Ce cheval, il connaît pas ton prénom. Cricor. Grégoire. Greg. D'accord. Damien. Damien. Dis donc, t'as fini de me filmer, toi, présentement? Je t'ai pas encore filmé. Dis donc, tu vois pas que tu es contre le soleil, tu ne vois rien du tout, là. Si, contre-jour, c'est pas mal. Ah ben, c'est pas grave pour toi, mais pour la pellicule, oui. Ah, la batterie, elle marche encore, c'est bon. Ça peut être super. Hein? Chacun prend 50 balles, 100 balles, 200 balles. Oui, Tiens, salut, viens là. Elle veut pas. Viens dire bonjour. Au moins. L'année dernière, il y a fait 10 il n'y en a pas. Cette année, il fait partie. Voyons un petit peu ce qui est paru dans la presse le lendemain de cette fameuse journée à Lignerolles. Dans la dépêche du midi, Philippe Noiret dit non à la décharge de Lignerolles. Tout le poids de ma notoriété pour dire non à la décharge de Lignerolles. En voisin, l'acteur Philippe Noiret, au doigt de cœur, est venu hier matin soutenir les opposants à l'implantation d'un nouveau site de déchets. Ce n'est plus du cinéma, dit le célèbre acteur. L'association Terre Propre, qui s'oppose au projet de décharge départementale sur le site du Garel à Lignerolles, a reçu hier le soutien spectaculaire et sans équivoque d'un voisin célèbre, Philippe Noiret. Dans le bras de fer qui oppose le SIDOM, syndicat départemental des ordures ménagères, aux riverains hostiles de la région du Lignerolles, l'association Terre Propre, qui mène la fronde, a remporté hier une victoire médiatique significative. L'acteur Philippe Noiret est en effet venu participer au pique-nique organisé dans la cour du château de La Bastide, dont les tours et la petite chapelle font face au domaine du Garel, le site convoité pour installer le futur centre d'enfouissement technique qui devrait drainer les ordures ménagères de la moitié du département. Je suis élu par le public depuis 48 ans. Devant une centaine de membres de l'association Terre Propre, Philippe Noiret a longuement développé les raisons de son engagement sans équivoque. Les dommages sous-évalués. J'ai consciemment compulsé le dossier concernant le projet de décharge, assure l'acteur, et je suis choqué de la façon dont on refuse le dialogue, de la condescendance de l'administration envers les opposants qui ne manquent pas d'arguments. Je crois que l'on a sous-évalué les dommages, les coûts, les nuisances. Il y a quelque temps, il y avait été question d'installer cette décharge près de Montréal, où j'habite, et j'avais été scandalisé, et puis en apprenant que le choix se portait finalement sur le Lignerolles, mon premier mouvement a été de pousser un soupir de soulagement. Mais je ne pouvais quand même pas laisser faire.
mais je ne pouvais quand même pas laisser faire la même chose ici non plus. Je crois qu'il existe d'autres solutions que de détruire, d'aussi je les cite, et surtout de mettre les administrés devant le fait accompli. Philippe Noiret s'entretiendra avec les responsables de l'association Terre Propre, la présidente Monique Leminez, les maires des villages voisins, ainsi que les personnalités qui se sont déclarées hostiles au projet depuis le début. Je n'ai pas l'habitude de m'engager comme ça sur des dossiers sensibles, devait conclure le comédien. J'ai fait une publicité pour aider à la lutte contre le cancer, mais je crois que c'est tout. Mais ici, il faut faire quelque chose. Après tout, moi aussi je suis un élu du public et depuis 48 ans. Un pavé dans la mare pour les porteurs de ce projet qui n'en est pour le moment qu'à la phase d'instruction. On devrait prochainement lancer des études géologiques. Toujours dans l'indépendant, sur Limoux, c'est les Philippiques de Philippe Noiret. En effet, le célèbre acteur de cinéma implanté à la Malpère est opposé au projet de construction des CET à Lignerolles. Alors, c'est là qu'ils vont tourner leur film d'horreur. Le ton est à la fois grave et perçant. Avec une petite pointe d'ironie, Philippe Noiret vient de parler. C'était hier midi à la Bastide d'Henrichard face à Lignerolles, ou plutôt face à la ferme du Garel, là où le syndicat départemental de traitement des ordures ménagères, le SIDOM, doit implanter un centre d'enfouissement technique, CET. Le célèbre acteur de cinéma était venu apporter son soutien à l'association Terre Propre qui lutte contre la réalisation du projet de construction du CET. Un pique-nique était d'ailleurs organisé pour donner à l'événement une certaine ampleur. S'adressant à Monique Leminez, la présidente de l'association, elle aussi institutrice à Caudeval, Philippe Noiret rappela qu'il était tout à fait d'accord pour prêter son nom et son image au combat mené contre le CET. De ma part, c'est plutôt rare de m'engager de cette façon, mais là, franchement, je crois qu'il faut bien quelque chose. Et le héros du vieux fusil d'expliquer sans détour que le projet de construction de CET le choque. Dans cette affaire, ce qui me frappe, c'est le refus de dialoguer de la part de l'administration et surtout sa condescendance envers les opposants. Terre Propre propose pourtant d'autres solutions que le CET, mais en face, il ne veut rien entendre. L'acteur qui n'a pas hésité à dénoncer ce qu'il nomme l'absence de démocratie. Il a notamment condamné l'attitude des responsables du SIDOM. Leur façon de présenter les choses est insupportable. Ils vous méprisent, s'adressant à Monique Leminez et Henri Tisser, le maire de Lignerolles, et sous-évoluant les nuisances du CET ainsi que les coûts, et en surévaluant les autres solutions. La star du cinéma n'a donc pas mâché ses mots. Sur un ton plus détendu, voire teinté d'humour, il expliquait la raison de son engagement. À l'origine, le projet devait se faire à Montréal, dans la Malpère où j'habite. Un de mes voisins m'avait dit demander si je voulais bien aider une association à lutter contre le projet. Et quand j'ai appris que ça se faisait à Lignerolles, j'ai poussé un ouf de soulagement. Mais aussitôt, je me suis dit, t'as pas honte de réagir d'une manière aussi égoïste? C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous aider. Enfin, dans le journal L'Indépendant de l'Ariège, de Lignerolles à Mans, le soutien de Philippe Noiret. Sur le site de Berbiac à Mans, dans l'Ariège, un CET a été imposé, exploité d'une façon illégale, comme le souligne souvent le comité de défense, et sur le site du Garel à Lignerolles dans l'Aude, un projet d'implantation d'un CET est en cours. Deux centres d'enfouissement technique, l'un en exploitation, l'autre en projet, distant seulement de quelques dizaines de kilomètres. Même si les données du problème ne sont pas identiques pour les deux sites, ils sont tout de même un point commun, leurs défenseurs disent non à la décharge. À Mans, Mirepoix, les comités de défense continuent de se battre pour faire arrêter l'exploitation. À Lignerolles, l'association Terre Propre se bat pour que le CET ne voit pas le jour sur le site du Garel. Dernièrement, un rassemblement organisé par l'association et les sympathisants a eu lieu au domaine de la Bastide d'Henrichard, mise gracieusement à leur disposition par M. Lederer. Les personnes présentes ont eu la joie d'accueillir Philippe Noiret venu spécialement apporter son soutien. Le célèbre acteur, propriétaire dans l'Aude, a été sensible au problème.